Dimanche 26 septembre 2021. J'ai fait sécher des tas de graines sur le rebord de la fenêtre de mon salon. Et il est temps, largement temps même, de les empaqueter. Je me demande d'ailleurs si elles seront toujours fertiles au printemps au moment de faire les semis. Mais peu importe, il faut que j'essaye. Donc je les mets dans des petits sachets en craft confectionnés à cette intention. Ici, des graines de poireaux. Là, des graines de ciboulette. Et là, une tomate viking qui a résisté au mildiou. Ça va valoir le coup de récupérer ces graines. Deux manières de procéder, les passer au tamis ou bien les faire sécher directement sur un sopalin. Ce sopalin, je viendrai le mettre directement en terre au moment de faire les semis. Ça va en faire des tomates. Pour les enveloppes, je me sers de papier craft que je récupère au bureau. Les secrétaires me le mettent de côté. Je fais un carré de 16 par 16. Je le découpe. Et je le replie d'abord dans le sens de la diagonale. Puis le sommet. Et les deux côtés. À force, ça vient tout seul. Je le fais mécaniquement. Et voilà le sens de pliage. On recommence dans le sens de la diagonale. On replie le sommet, puis les deux côtés. Cette enveloppe tient sans scotch, sans colle. Pour la fermer, il suffit de prendre la petite languette et de l'insérer directement dans l'enveloppe que l'on vient de créer, comme ceci. Après, on peut faire une petite déco aussi, hein. Si vous avez quelques talents artistiques, rien ne vous empêche, eh bien, de décorer cette petite enveloppe et même de pouvoir offrir les graines que vous collectez dans votre jardin à des amis ou à de la famille.